大家一起去，但是你在这层的时候，我刚才有点懵逼。Bom, vocês, vou dizer como nos chamem, sim? Para que de nós, é respeitamente, entendo que ele toujours acompanhe Maurice no seu développement, mesmo avant l'indépendance. Donc, para respeitamente, como nos dizer, o Atan, na transit, na ministra étrangère de l'Inde, na sua rádio, ce n'est qu'après qu'il nous tient. C'est ce qu'on fait exactement. Comment nous dire exactement ce qu'on fait. Sous la proximité d'un Dieu qui a un internat, vous avez assisté de certains agents de l'institution de la presse qui fait un procès d'intention, au moins Paul, qui soit disant, nous fait renvoyer les choses. Je pense que ce qui j'ai dit, c'est que tu veux faire trois jours avant l'élection du 1995. Contrairement à ce qui, en Angleterre, tu veux dire, il ne faut pas qu'on renvoie l'élection. Date d'élection fixée le 10 décembre, pour certaines années, et une élection n'est que le 24 novembre. Et je peux rester de votre bonne légion pour être ex. Vous direz que c'est la campagne qui coule de la campagne de tout. Hier, nous avons réuni nos niveaux politiques et exécutifs du Pascalais. Et nous avons partagé la discipline et la solidarité qu'on nous attend. Nous finalisons la liste candidat. Vous êtes à jeu, je dois être. Réalisé dans des centaines de villes qui expriment l'intérêt pour être candidat aux prochaines élections. Très très bon chiffre, une des parties, l'exercice, choisir grand candidat à même, candidat qui, même pas parce qu'il soit être le principal lieu, mais les parties passées du tout. Moi, Paul, il y a plusieurs sessions de travail. Et finalement, nous avons fait la liste de 60 candidats. Et du coup, l'alliance de l'Alliance post-travailliste à même, pour les 10 décembre, qui nous présente là. Beaucoup de monde. Et on me dit que je suis impressionné par quand est-ce qu'il y a un nouveau candidat, qui est dans le post-travailliste, qui n'a même. Malheureusement, pour me dire pas tous les qui sont candidats, vous avez un choix. Mais, même si pas pour candidats, l'expérience-là, de compétences-là, et de brillantes contributions, vous êtes à l'équipe-là. Et vous êtes du pays également. Je tenais à vous remercier de toutes les contributions. Et un grand merci à Ndimoun, qui est venu de l'avant. De la tournée et accepter de continuer à travailler pour partir. Comment il a pu le faire. Maintenant, naturellement, une cérémonie qui présente une bonne candidat, ça, la mesure de la date, mais très bien, sûrement. Et nous ne pouvons pas se le laisser, un candidat, si la construction, pas si la construction. Si la construction est au web, et dans Jean-Claude Barbier, nous pensons de tout donner, de tous les sauteurs, de l'ANCF, de tous les livres, de tout connaître. Et là, Béda Balandi, également, de tous les sauteurs de la voie, bien connu, point de bench, elle-même, dans l'ancien Parlement. Et le troisième candidat, c'est Mme Mireille Martin, ministre du gouvernement, qui est venue par Jean Nouvel, une ministre de sa partie, parce qu'il n'est pas parmi de. Dans ces constructions de l'OMD, il n'y avait pas de temps où je tout venais. Et j'espère que je suis déjà connu pour être candidat. Et je vous comprends que le compte-bench dans notre événement. Deuxième, il y a M. Ousmane Mohamed. Il prend la parole hier dans le congrès général de l'OMD.
in engineer, UC, ET, executive chairperson MIT. Pour ses compétences, et aussi un habitant, c'est bien de renforcer l'habitat côté là, de niveau 3. Et le troisième candidat, c'est un vétéran, je crois que c'est une ministre avec mon rapport. Il explique à l'Assemblée, donc de tous les députés à l'Empire. Dans la circonscription numéro 3, et dans les députés sortants, Adil Amiria, plus connu. Et dans le deuxième candidat, c'est Aslam Hossein Ali, ancien maire MMM. Et le troisième candidat, c'est Abdallah Goulamali, qui est un lecteur, un média, et dans Mass Communication. Il y en a temps de à côté là, du numéro 2, et il était aussi dans un jeune, l'aide jeune du Post-Royce. Circonscription numéro 4. Et non, Kadjani Djokou, je le connais, député sur le temps, de l'endroit, et secrétaire général du Parti Travailliste. Or, Yann Nagor-Marie, quoi je te connais, et je suis de l'Afrique de Saint-Office, vous êtes le numéro 1, qui est dans le numéro 4, mais il est très connu. Et le troisième candidat, c'est Jimmy Chabouni. Un enfant de l'endroit, ancien président de jeunes MMM et jeune candidat. Dans le groupe 5, il y a même mon copain qui a plus de moi, et dans le ministre des Valentes du Tout, sautant de l'endroit, le troisième candidat, c'est Alpha Bama, c'est l'ancien président de la jeune. Il y a le même et c'est un entrepreneur. C'est la question numéro 6, l'homme est 22, l'émission est 22, député de l'endroit qui est déjà connu. Il y a Satish Kogou, actuel attorney général et ministre, qui, encore une fois, la cause est un partage de ticket. Il est aussi le numéro 6. Le troisième candidat, c'est Dinaï Souran, un enfant de l'emploi, un légiste. Le numéro 7 est dans Mahen Kangaponsal. Il est réclé par un anapago, première fois qu'il tient l'ouvert. Un habitant du numéro 6 à côté là, sauf une famille 1. Hein? Et dans J.F. Akash Inova, c'est tout le monde. Notre appel, c'est lui qui fait une balle en Ukraine, le premier ministre sortant, en 95, pour le premier ministre qui s'est soumis. Et le troisième candidat, c'est Raj Pandya, ancien magistrat, qui a décidé de démissionner du poste de magistrat pour une conteste d'élection. Camarade Emmanuel Soumi, là, qui, comme toujours, il devient un grand groupe parti et les relations.